Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de Zétéo, je suis Guillaume Devoux et j'ai le plaisir de recevoir pour un nouveau podcast Jacques Gauthier. Jacques Gauthier, bonjour. Oui, bonjour. Avec vous, Jacques Gauthier, une première pour notre podcast puisque nous avons la joie de traverser l'océan. On vous rejoint au Canada et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Il est quelle heure là pour vous, Jacques, en ce moment? Ah ben, il y a toujours un décalage de 6 heures. Hein? Voilà, un décalage. Alors, il s'agit de calculer. Tout dépend de quand les gens vont écouter, mais là, actuellement, il y a un décalage. Ouais, ben là, moi, je suis en fin d'après-midi et vous, vous êtes en milieu de matinée. C'est ça. En réalité, il est 11h25 et vous, il est 17h25. Et puis vous, vous êtes dans le Québec, moi, je suis à Saint-Malo. On ne va pas ennuyer les auditeurs avec ça, mais on a des liens. On a des liens. Des liens, au moins par voilà. Charles Cartier. Hein. Exactement. Alors, Jacques, voilà. Vous êtes conférencier et écrivain. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de spiritualité. Et avec vous, on va passer ce podcast en compagnie de Thérèse de Lisieux. Ce n'est pas le premier podcast avec Thérèse, parce qu'on en avait eu un il y a quelques semaines avec Christiane Rancet, qui nous avait beaucoup parlé de Thérèse de Lisieux. Oui. Vous venez de consacrer à Thérèse votre dernier livre, qui est sorti aux éditions L'Emmanuel il n'y a pas longtemps, et qui est un livre très original, l'interview par Jacques Gauthier de Thérèse de Lisieux. C'est très original parce qu'en fait, c'est comme vous, je crois que vous avez une amitié très profonde et très quotidienne avec Thérèse. Vous lui posez des questions et elle vous répond. En fait, vous avez extrait les passages de ses textes, c'est ça? Oui, c'est ça. En plein ça. Ça donne un contact vivant. Hein? C'est comme si elle nous parlait aujourd'hui. Absolument. Et alors, c'est un livre original parce que ça nous permet comme ça de rentrer dans un tas de questions qu'on aurait eu envie de poser à Thérèse. Mais en tout premier lieu, j'aimerais vous demander, on a parlé du Canada, il y a des liens entre Thérèse et le Canada. Vous pouvez nous les rappeler? Oui, il y a des liens. Ben, si ce n'est d'abord que les Normands ont défriché quand même la Nouvelle-France à ce moment-là. Hein, alors, il y a un lien. On a la même langue. Parce qu'elle est normande, bien sûr, hein, pour ceux qui ne le savent voilà. pas. Oui, voilà. Et puis aussi, il faut dire qu'elle a correspondu avec le Père Pichon. Le Père Pichon était ce qu'on appelle son directeur spirituel. Et il était au Canada à ce moment-là, au Québec. Et elle a correspondu. Il y a eu plusieurs lettres. Donc, elle a écrit le mot Canada, souvent Thérèse. Mais malheureusement, le Père Pichon a jeté les lettres. Imaginez aujourd'hui le trésor de la correspondance entre Thérèse et le Père Pichon. Alors, il y avait un lien là. Il y a aussi, mon Dieu, il y a le Père Eugène Prévost qui a fondé la fraternité sacerdotale, a beaucoup fait connaître Thérèse. On dit que c'est lui qui a présenté l'histoire d'une âme à Pidis. Et aussi, il a fait beaucoup pour la dévotion de la Sainte Face. Donc, il a fait connaître Thérèse. Et aussi, il y a Mgr Charles Bois, qui était dans l'Ouest canadien. C'est lui le premier qui a voulu lancer une pétition pour que Thérèse soit nommée patronne des missions. Donc, elle a été canonisée en 1925 et 1927, elle était nommée patronne des missions. Et quand Mgr Charles Bois a demandé ça, eux autres, ils pensaient que c'était pour la patronne des Pères Oblats. Ils ont dit non, non, patronne universelle de l'Église, patronne des missions avec François-Xavier. Et ça a fonctionné. Alors, c'est juste pour dire. Puis en même temps, mais moi, j'écris sur Thérèse, qui est du Canada. Alors, ça fait des liens. Elle est l'une des nôtres. Hein? Et d'ailleurs, le Canada aussi a beaucoup aidé pour la basilique à Lisieux. Il y a un hôtel au Canada. On l'aime beaucoup, beaucoup ici. Il y a beaucoup de noms qui s'appellent Thérèse aussi, de nos grands-mères, tout ça, dans ce temps, du temps de Thérèse. Et vous l'aimez beaucoup et votre livre est très vivant. On sent que vous êtes dans l'intimité de Thérèse, même si en ce moment, on en reparlera, vous êtes aussi dans l'intimité de Charles de Foucault.
Oui. On en reparlera peut-être à la fin de cette émission. Ce livre, il est en 7 parties qui sont en quelque sorte 7 entretiens, 7 rencontres différentes que vous avez menées avec elle. Alors, on va peut-être pas toutes les faire parce qu'on va donner envie au lecteur et puis on n'aurait pas le temps et puis on va donner, j'espère, envie au lecteur de découvrir votre livre. Et j'aimerais, en fait, plutôt revenir sur le premier chapitre, le premier entretien que vous avez avec Thérèse, en partant, Jacques, si vous voulez bien, sur ce paradoxe, en fait. Thérèse, à sa mort, une de ses sœurs a dit « on ne pourra rien dire d'elle parce qu'elle n'a rien fait de remarquable ». Et pourtant, elle est une des saintes les plus universelles, les plus connues. C'est incroyable, c'est ça son secret. Il y a un secret incroyable. Oui, c'est souvent comme ça avec les saints et les saintes. Pensons à Charles de Foucault, entre autres, qui a voulu avoir la dernière place, rester caché, vivre caché, imiter Jésus à Nazareth. On dirait que plus les saints se font petits, plus qu'ils veulent rester cachés, et bien plus qu'ils sont connus après leur mort, plus qu'ils deviennent des gens universellement connus. Alors non, Thérèse, c'est parce qu'elle n'a rien fait, hein, en fin de compte. Elle n'a pas fondé rien, elle n'a pas fait de miracle de son vivant. Elle s'est drôlement reprise par la suite, là. Mais c'est une petite sœur très simple dans la communauté. Et c'est pour ça qu'une sœur a dit, mais qu'est-ce qu'on va dire d'elle? Elle n'a rien fait vraiment. Elle n'a rien fait, Thérèse, sauf aimer. Et elle a tout mis sur l'amour. Et c'est là, justement, qu'on va découvrir dans son histoire d'une âme, quand ça va être publié après sa mort. Elle est décédée en 1897 à l'âge de 24 ans. Et tout de suite, même, on en a fait 2000, ce qui est extraordinaire pour l'époque, hein, parce que c'est une notice nécrologique et c'est à quelques pages. Mais là, il y avait beaucoup de textes de Thérèse. On a dit, c'est tellement beau ce qu'elle a écrit. On va la faire connaître au monde. Et on s'est dit au Carmel, la grande question, c'est comment qu'on va faire pour écouler tous ces exemplaires? Et c'est un père abbé, un des premiers pères abbés, je pense, en Angleterre, a lu ça, puis d'autres. Dans les monastères, ils ont été complètement chamboulés par cette fraîcheur, cette petite voix de la sainteté accessible à tous. Ils ont dit, il faut la faire connaître. Et c'est comme ça, le bouche-oreille. Et là, ça a été vraiment, ça s'est répandu partout. Et c'est comme ça que Thérèse va être connue. Mais sinon, elle aurait été dans son Carmel caché. Et c'est et suite... C'est quoi, Jacques, son secret à Thérèse? Parce que livre, à son enterrement, il n'y a pas plus de 50 personnes. Et pourtant, quelques années plus tard, pas tellement longtemps, elle a été canonisée à une vitesse foudroyante. Il y aura 500 000 personnes, tous les chefs d'État. Ouais. C'est quoi son secret? C'est deux mots, hein, c'est deux mots. C'est vivre d'amour. Elle en a fait une poésie de ça, hein, vivre d'amour. C'est un poème d'ailleurs qu'elle a écrit par elle-même aussi, d'un jet. Et sa vie, c'est ça. Sa vie, elle s'est rendue compte qu'elle a été créée pour aimer et l'amour englobe tout. Mais c'est sûr que ça a l'air un peu banal de dire ça, mais quand on prend conscience que notre cœur est fait pour aimer, eh bien, elle a voulu aimer. Elle a voulu aimer, comme Charles de Foucault aussi, il dit ça souvent, même dans la prière, il dit « plus tu aimes, meilleure est ta prière hein? ». Et dans la vie, alors Thérèse va développer ça beaucoup, quand elle va être canonisée, c'est-à-dire quand elle va être nommée docteur de l'Église. Pourquoi docteur de l'Église alors qu'elle n'a pas étudié, elle n'a rien fait, elle n'a pas de diplôme, elle est toute jeune? Alors le pape Jean-Paul II va dire « elle a développé la science de l'amour divin ». Sa science à Thérèse, c'est l'amour. Mais elle prend ça d'où? Mais elle prend ça de l'Évangile. Et là, c'est l'hymne à l'amour de Paul. Mais qui est l'amour? Mais Dieu est amour. Alors, quand on décide vraiment de vivre d'amour, eh bien, on vit de Dieu. Et ce qui est la force de Thérèse, c'est son réalisme spirituel. Cet amour-là se vit dans les petits riens du quotidien. C'est ramasser une poussière, rouler les manteaux des sœurs qui traînent, faire tous des petits gestes cachés qui n'ont pas d'éclat, mais faits avec amour, ont une puissance incroyable. Et dans son cœur, cet amour-là, c'est toujours pour l'Église, pour un missionnaire qui travaille, pour quelqu'un d'autre. Elle était missionnaire dans l'âme, Thérèse, depuis longtemps, mais au Carmel, ça va se développer. Mais ça, c'est du Thérèse, dans le fond. C'est du Thérèse. Mais c'est quoi, en fait, son secret? Parce que cet amour, cette limpidité, on la recherche tous.
Oui. Pourquoi elle? On dirait qu'elle a eu plus de chance que les autres. C'est parce qu'elle est plus petite. Elle est plus fragile. Plus on est faible, plus la force de Dieu se déploie en nous. Plus qu'il... c'est la parole, en réalité. Je pense que c'est saint Paul, il dit... le Seigneur, il se révèle dans ce qui est fou, dans ce qui est petit, et non pas nécessairement aux sages. Et c'est Jésus lui-même, de toute façon, qui va exalter, il va dire, « Père, je te bénis d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, de l'avoir révélé aux tout-petits. » Plus tu es petit, plus le Seigneur t'inonde, mais c'est parce qu'il faut s'ouvrir à sa miséricorde. Et pour Thérèse, l'amour a un nom, c'est la miséricorde. Et on a vu avec le pape François, l'année de la miséricorde, il a écrit un livre, hein? « Dieu est miséricorde ». C'est pas parce qu'elle a eu plus de chance, elle a été aimée, elle le sent elle-même, hein? Elle dit « Mon Dieu que tu m'aimes ». On retrouve ça dans tous les saints. Et Charles de Foucault, justement, je lisais ça hier dans le livre que j'ai écrit, Charles de Foucault, passionné de Dieu, en tout cas c'est le titre là, pour le moment, je ne sais pas si on va garder ce titre-là, mais il rend des grâces, il dit « Père, je te rends grâce d'avoir donné à l'homme ce privilège d'aimer ». Est-ce qu'on, des fois, on remercie le Seigneur qu'on a en nous cette capacité d'aimer. Thérèse, elle a tout mis là-dessus. Il faut dire qu'elle a été drôlement bien élevée. Quand tes parents sont saints, ça aide. Louis et Zélie Martin, c'est le premier couple non-martyr canonisé. Quoique des fois, la vie de couple peut être des fois partie pour certains, mais Louis et Zélie Martin, quand même, ce sont les parents de Thérèse et sa mère est morte quand elle avait 4 ans. Mais elle le dit elle-même, « Le Seigneur m'a donné des parents plus dignes du ciel que de la terre. » Elle dit, « Quand je voyais prier mon père, eh bien, je voyais comment priaient les saints. » Alors, c'est sûr que ça aide, ça, dans ta vie à aimer, quand tu es entouré d'amour. Thérèse, elle était entourée d'amour, bien qu'elle soit très blessée. Elle a eu comme une névrose tout le temps, d'être peur d'être abandonnée. Thérèse, c'est ça qu'elle va développer la petite voix d'abandon. Parce que Thérèse, elle perd sa mère à 4 ans. Et puis sa sœur Pauline, qui devient sa mère, bien, elle va au Carmel sans lui dire. Elle s'en va. Oui. Donc, comme une trahison, sa sœur, sa marraine, Marie, elle entre au Carmel aussi. Donc, à 10 ans, elle fait une maladie très mystérieuse. Oui. Où il faut que Marie lui sourie, parce qu'elle est en train de mourir. Thérèse, elle a comme perdu la tête. Donc, c'est une fille très fragile qui va grandir avec la grâce. Elle le dit, elle dit, « L'amour me suffit, ton amour grandit avec moi. » C'est beau ça, quand elle parle au Seigneur. Elle dit ça, « Ton amour grandit avec moi. » Et c'est ça. Et c'est ça. Et écoute, c'est parce qu'à un moment donné, ça va être une fulgurance dans sa vie, cet amour-là, en accent, mettant tout l'accent là-dessus. Comme beaucoup d'entre nous, des fois, nous cherchons notre place dans l'Église, et Thérèse l'a cherché. Je voudrais être missionnaire, je voudrais être prêtre, elle le dit, pour pouvoir prêcher Marie, pour pouvoir apprendre l'hébreu, le grec. Je voudrais être martyr, parce qu'elle lit Thérèse, puis elle se rend compte que l'Église, c'est un corps, puis elle dit, où est ma place dans ce corps-là? Et c'est là que Thérèse va découvrir que ce qui fait marcher le corps, c'est le cœur. Ce qui fait marcher l'Église, c'est le cœur. Alors, elle dit, dans un élan incroyable, elle dit, oh, cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Il n'y a aucun mystique qui a dit ça comme ça. Je serai l'amour. Alors, elle dit, ma vocation, je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Alors, c'est pour ça, et ça nous rejoint ça, parce que nous sommes tous appelés à l'absolu de l'amour, bien que nous le vivons mal. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de vouloir. Et c'est comme ça que le Seigneur nous élève, nous comble, nous libère, nous sanctifie. Vous dites d'elle, Jacques, qu'elle est à la fois une mystique et une comique. Oui. Qui est rarement associée. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, les saints ont énormément d'humour. Hein? Et même les anges, je sais, j'ai écrit un livre sur les anges, puis c'est Chesterton qui disait, les anges, pourquoi ils volent? C'est parce qu'ils se prennent à la légère. Et des fois, on est trop sérieux dans nos choses. Alors que Dieu, des fois, on peut le voir comme un enfant aussi. C'est pour ça que Jésus va dire, si vous devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, il faut avoir un cœur, je dirais, qui s'émerveille.
Et pour moi, Thérèse, quand elle dit comique, c'est pas moi qui le dis, c'est une de ses sœurs. Oui, elle dit tout lui convient. Elle pourrait nous faire pleurer de dévotion, puis en même temps nous faire mourir de rire en récréation. Elle peut imiter des personnes sans méchanceté. Hein. Elle est joyeuse, Thérèse. C'est la joie qui l'amène, bien qu'elle a souffert énormément, mais comme nous souffrons tous. Hein. Mais il y en a qui souffrent plus que d'autres. Mais elle a souffert beaucoup parce que sa vie est simple. Mais oui, elle a des souffrances même physiques qui vont devenir de plus en plus intenses. Oui. Parce qu'elle va mourir jeune, très jeune. Oui. Donc, c'est un mystère. Oui, et d'abord, souffrir très banalement du froid. En Normandie, c'est très humide. Et dans ce temps-là, au Carmel, il y avait un ruisseau qui passe en dessous du Carmel, là, pas loin, oui. En tout cas, puis il n'y a pas beaucoup de chauffage. Il a fallu qu'on lui donne une chaufferette, une petite chaufferette pour se chauffer. Puis elle le dit, moi, ça va être quand même bizarre quand je vais monter au ciel. Arriver au ciel avec les saints, on va voir tout leur instrument de pénitence, et moi, je vais arriver au ciel avec ma chaufferette. Hein? Alors, tu vois l'humour de Thérèse, et à un moment donné, elle dit, comment qu'elle dit ça? Elle parle à sa sœur, elle parle à Marie, à sa sœur, mais aussi la Vierge Marie, elle dit, Marie, je suis plus heureuse que toi, parce que moi, j'ai une Sainte Vierge à aimer. Alors, elle dit, je suis naïve en disant ça, elle le sait, mais c'est des traits d'enfant, ça. Et elle aimait égayer les sœurs, des fois qui étaient plus, peut-être certaines étaient mélancoliques et tout ça. Donc, elle mettait de la joie, mais c'est ça, c'est François d'Assise aussi. On oublie toujours que la sainteté, c'est la joie. Et même Dieu, des fois, on peut le voir même triste, mais ça n'a pas de sens. Dieu est joie. Il est enthousiasme. Elle est donc comique et elle est mystique aussi, parce que ce qui est quand même incroyable, c'est tout ce qu'elle a vu. Puisqu'elle va même dire que sa vie ne suffit pas et les mots ne lui suffisent pas. Elle écrit justement pour pouvoir exprimer ce qu'elle voit. Elle le voit comment et comment se fait-il qu'elle ait vu tant de choses? Ouais. Ce n'est pas des apparitions qu'elle a eues. Non, c'est tout simplement des... C'est à l'intérieur. Vous savez, quand on vit une intimité avec le Seigneur, il devient un ami, un compagnon de route, un compagnon de vie. Et elle le dit elle-même, elle dit « Jésus... me parlait à l'intérieur. » Mais ce n'est pas des paroles audibles, ce n'est pas même des paroles qu'on peut penser. C'est que pour elle, la parole, c'est Jésus. Et quand elle lit la parole de Dieu, c'est Jésus qui lui parle. Elle dit, Jésus, c'est lui, la parole. Et il me conduit et ça me convient, ça me suffit. La parole de Dieu me suffit. Thérèse, elle a beaucoup précédé Vatican II hein, par le retour à l'Évangile. Thérèse, comme Charles de Foucault d'ailleurs, les deux se ressemblent. Vous savez, Yves Congar, le grand dominicain, avait dit au début de l'ère atomique, Dieu a allumé deux phares, Thérèse Lisieux et Charles de Foucault. Et Charles de Foucault va être canonisé, là. Et les deux, justement, ont très simplement, quand même, ont médité l'Évangile. L'Évangile, pour eux, c'est vivant. Donc, ils deviennent eux-mêmes un évangile vivant. Et Thérèse va revenir toujours à l'évangile, comme Charles aussi. Et le Concile Vatican II a mis beaucoup l'accent sur le retour à l'évangile. La même chose aussi pour tous s'appelle la sainteté. Thérèse va dire ça toute sa vie. La même chose pour Charles, d'une certaine manière aussi. Charles, il a dit, il faut crier l'évangile sur les toits par notre vie. Et la sainteté se vit là au quotidien. Eh bien, c'est des grandes intuitions du Concile Vatican II. Et le Père Congar était, lui, au Concile. Il a travaillé comme expert au Concile. Alors, il savait de quoi il parlait quand il disait ces deux grandes lumières du Seigneur qui nous a été données au 20e siècle, Thérèse Lisieux et Charles de Foucault. Eh bien, c'est... Charles, vous allez publier un livre sur Charles de Foucault, aux éditions de l'Emmanuel aussi, je crois. Oui. Et qui va sortir à l'automne, c'est ça? Oui, mais c'est qu'on attend la date de la canonisation. D'abord, il faut que je finisse le livre. Et je fais des parallèles avec Thérèse là-dedans, parce que Thérèse, je ne peux jamais la quitter pleinement. J'ai quand même écrit une dizaine de livres sur elle aussi. Je suis allé à Lisieux plusieurs fois, aussi des conférences, et donner une retraite. C'est ça. Ce sont des amis pour moi, les saints. Alors, si vous êtes d'accord, Jacques, on va revenir à Thérèse et puis Charles, on en parlera quand vous sortez. On en reparlera une autre fois. Si oui, vous êtes d'accord. Thérèse, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est son intimité avec Jésus.
Oui. Elle a vraiment une intimité incroyable. Elle parle de lui, j'ai jamais lu ça ailleurs, avec une intimité, une simplicité, une proximité. Vous pouvez en parler un petit peu? Oui, mais encore là, je m'excuse, mais on retrouve ça chez Charles de Foucault aussi, cette même intimité. D'ailleurs, il s'appelle Frère Charles de Jésus. Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, parce que Thérèse, elle réunit dans sa vie l'enfance de Jésus, mais aussi sa passion. Thérèse est une amoureuse de Jésus et elle le dit, Jésus, c'est ma vie. Que me font la mort ou la vie, Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Dans un de ses poèmes, elle dit « Ta face est ma riante prairie ». Quand on sait comment elles sont belles, les prairies en Normandie. Hein. « Ta face est mon amour, mon unique soutien ». Tous les poèmes de Thérèse parlent de Jésus. Jésus, c'est l'amour de sa vie, bien sûr, c'est le centre. Elle a des accents très forts sur Jésus. Ça vient de l'Évangile, encore là. Et ça vient de sa vie de prière, de sa vie d'adoration. Mais c'est très, très, très marquant aussi chez Frère Charles, comme chez d'autres aussi, là. Mais c'est des témoins que je connais plus. Jean de la Croix aussi, Thérèse, c'est vraiment la digne fille de Jean de la Croix. Vraiment, Jean de la Croix a beaucoup inspiré Thérèse, beaucoup plus que Thérèse d'Avila, en fin de compte. Et Jean de la Croix va donner les mots à Thérèse pour dire son expérience, hein. Le feu, tout ça, la flamme d'amour, d'appuyer sans aucun appui, je vais me consumant d'amour, je marche vers toi, Jésus. C'est du Jean de la Croix, ça. Elle lisait beaucoup? Elle lisait beaucoup? Oui, elle aimait beaucoup lire, mais en réalité, avant, dans Trois-Carmels, elle dit « Je sens que je suis né pour la gloire ». D'abord, elle dit ça. Et elle aimait beaucoup les romans de chevalerie. C'est une guerrière aussi, hein? C'est une âme. C'est pour ça qu'elle aimait beaucoup Jeanne d'Arc, et d'ailleurs, c'est ça ici le livre, ça, mais je l'ai. Ben, on voit ici, elle est déguisée en Jeanne d'Arc. Bien sûr, photo très connue. Elle a une perruque, mais c'est quand même son habit de carmélitaine. On a ajouté des choses là-dessus. Elle avait ça en elle, hein, cet aspect-là d'un petit peu guerrier aussi, spirituel, vivre le combat spirituel, ne rien laisser passer, accompagner Jésus dans sa passion, étancher la soif de Jésus. Oh, ça, c'est un élément central. Elle revient souvent là-dessus, Thérèse, de consoler Jésus, comme la Samaritaine. Hein? Jésus qui demande à la Samaritaine, « Donne-moi à boire. » Mais Thérèse va dire, « Oui, mais il a soif de quoi, Jésus? » Thérèse rend compte qu'il a soif de toi. Il a soif de ta liberté, il a soif de ton oui. Et c'est son grand cri sur la croix, « J'ai soif ». J'ai écrit tout un livre là-dessus, « J'ai soif », les liens entre Thérèse et Mère Teresa. Parce que Mère Teresa, c'est central, « J'ai soif » dans toutes les communautés, les chapelles d'adoration, c'est marqué « I thirst » à côté « J'ai soif ». C'est une parole fondatrice, ça, de la communauté missionnaire de la charité de Mère Teresa. Thérèse va vouloir consoler Jésus. Thérèse veut, c'est l'amour tout le temps. Elle veut vraiment se donner ce qu'elle vit pour les âmes qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est pour ça qu'elle dit, elle va vivre une nuit de la foi terrible jusqu'à sa mort. Là, on en reparlera justement. Vous poser des questions à ce sujet-là. Par rapport à son intimité avec Jésus, Zétéo, le nom du podcast, c'est chercher pour trouver Jésus. Ben oui. Elle, vous avez parlé de l'influence de Saint Jean de la Croix, mais comment l'a-t-elle trouvé, en fait? Elle est née avec Jean de la Croix? Non, comment Thérèse a-t-elle trouvé Jésus elle-même? Ah, OK. Oui, oui. Oui. Ben, est-ce qu'elle est née avec lui, tout simplement? Sa famille, c'est l'époque. Son père accueillait des pauvres à la maison. On parlait toujours de Jésus, 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 Jésus. C'était ça. Sa mère aussi, avant qu'elle meure, quand elle a 4 ans, c'est sur les genoux de ses parents, elle a appris à prier et elle a développé un grand amour de Jésus. Bien sûr, il y a la grâce là-dedans. Le Seigneur est libre de ses dons. Thérèse avait une mission et le Seigneur l'a protégée. Thérèse, elle a été très attaquée, d'ailleurs, quand on le voit. Vous savez, dans un combat spirituel, le malin aussi peut faire toutes sortes de choses. Et Thérèse même va dire que sa curieuse maladie à 10 ans, Thérèse, elle écrit dans son Histoire d'une âme, elle dit « C'est le malin qui savait que tout ce que j'allais faire voulait me détruire. » Bon, c'est ça,
c'est son explication à Thérèse. Bon, médicalement, on peut penser que c'était les premiers fruits de la tuberculose aussi. Mais il reste quand même que Thérèse avait une mission. Et le Seigneur l'a vraiment choisi pour révéler au monde sa miséricorde. Avant Sœur Faustine, avant Élisabeth de la Trinité, avant d'autres, elle le dit elle-même, elle dit « Moi, c'est la miséricorde du Seigneur qui m'intéresse et je m'offre à la miséricorde du Seigneur pour étancher sa soif de m'aimer, pour ne pas réprimer, parce que Thérèse, elle dit, je parle de la miséricorde divine, parce que le Seigneur ne trouve peu d'âmes qui accueillent toutes les grâces. Dans son cœur, c'est comme réprimer les tendresses qu'il veut nous donner. Moi, je veux m'ouvrir, je veux me livrer à la miséricorde pour accueillir toutes les grâces qu'il veut me donner. C'est toujours pour réjouir Dieu, pour consoler Dieu, pour lui faire plaisir. C'est ça, sa vocation. Le Seigneur l'a créé pour lui-même. En réalité, pour sa joie. Donc, Thérèse, elle a cette mission-là toute jeune et elle va développer ça à travers vraiment des blessures. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'avec Thérèse, on apprend que la sainteté, c'est la miséricorde qui envahit nos blessures. Nos blessures sont noyées dans la miséricorde. C'est avec les blessures qu'il fait des saints. S'il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de sainteté. Alors, c'est imaginez l'espérance que ça nous donne. Moi, j'y crois, la sainteté. J'ai écrit, justement, un livre vient de sortir, l'Emmanuel aussi, « Devenir saint », un petit livre avec les anges, en présence des anges aussi. Bon, pour moi, c'est concret, ça. Ce sont des amis. Puis la sainteté, ce n'est pas quelque chose d'éthéré, de douloureux. Il s'agit d'aimer. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'amour et d'accueil. Surtout avec elle, en fait. Développer ça, elle. Surtout avec Thérèse. Mais comme vous parlez, vous avez parlé, Jacques, des épreuves et des blessures, et notamment l'épreuve que vous avez mentionnée, la nuit de la foi. D'autres grands saints l'ont eu, des Thérèse, d'Avila à Thérèse de Calcutta. On ne savait pas que Thérèse de Calcutta aussi avait eu la nuit de la foi. Et donc, elle l'a connue à la fin de sa vie, Thérèse de Lisieux. Oui, très, très dur. Écoutez, c'est des paroles, c'est des textes tellement fort qu'on n'a même pas retouché. Vous savez, dans l'histoire d'une âme, on a aussi corrigé des textes, mais les manuscrits autobiographiques, les manuscrits authentiques. Mais dans cette épreuve-là, on a gardé les textes quasiment authentiques. C'est d'une force. Thérèse, c'est dès c'est en 1896 à peu près, c'est 18 mois avant sa mort, c'est-à-dire il est décédé le 30 septembre 1897. La veille, donc, c'est le Vendredi Saint. Elle est au Carmel, bien sûr, et elle sent qu'il y a comme du bouillonnement dans sa bouche. Elle pense que c'est du sang. Et Thérèse, elle sent comme si le Seigneur l'appelle. Donc, le lendemain, elle se rend bien compte que c'est le sang. Et là, c'est commencé. Physiquement, déjà, la maladie. Bon, pour elle, c'est le signe. Mais elle est comme dans une joie incroyable parce qu'elle sent que l'époux, elle a toujours senti qu'elle était pour mourir jeune, et puis là, c'est comme un signe de l'époux. Mais le problème, c'est que après ça, le jour de Pâques, et là, va commencer la nuit, c'est que le Seigneur, c'est comme s'il ne lui donne pas cette grâce de sa présence. Et Thérèse, elle écrit des textes très forts. Elle dit, c'est un tunnel, c'est un brouillard devant moi et Dieu. Puis il y a des voix en moi qui me dit, tu crois au ciel, mais ça n'existe pas, c'est le néant. Viens, ce sont les ténèbres qui vont t'accueillir. C'est la période la plus féconde de Thérèse. Elle est brûlée par un amour pur, une foi complètement décapée. En réalité, on dit que c'est une nuit de la foi, mais moi, je dirais plus, c'est une nuit de l'espérance. Et Bernanos va beaucoup puiser là-dedans dans ses romans, parce que Bernanos est un grand disciple de la petite Thérèse. Et Bernanos va dire que l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Thérèse, elle était aux portes du désespoir. Et elle le dit, elle dit, je suis assise à la table des pécheurs, mes frères, hein, et je mange avec eux le pain de la douleur. Et c'est au même moment que Nietzsche va dire que Dieu est mort. Marx, Freud, tous les maîtres du soupçon. Thérèse va faire luire la foi dans la nuit qu'elle vit, que beaucoup d'incroyants vont vivre à son époque. Et elle dit, je vis la nuit que je vis, pour que puisse luire le flambeau de la foi. Et elle va mourir comme ça,
Alors, demandez-moi pas dans quelle demeure qu'elle est, Thérèse. Elle n'est plus... Thérèse, comme Charles de Foucault, c'est atypique. Sont configurés à Jésus. Ce sont d'autres Christ. Et c'est sur la croix. Et même un mois avant qu'elle meure là, elle ne veut même plus recevoir l'Eucharistie. C'est là qu'elle va dire que tout est grâce. Parce que son tout est grâce, en fin de compte, c'est tout simplement, elle écrit, elle dit, je ne peux pas recevoir les sacrements autant que je veux, mais qu'importe, tout est grâce. Et à un moment donné, sa sœur Céline, elle est près d'elle, au Carmel, elle est entre au Carmel, sœur Geneviève, et elle veille Thérèse. Et là, elle n'entend plus rien, elle se lève, c'est durant la nuit, et elle voit Thérèse réveillée. Bon, puis elle dit, tu dors pas, Thérèse? Elle dit, non, je souffre trop. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je prie. Alors, qu'est-ce que tu dis à Jésus? Oh, je ne lui dis rien, je l'aime. Et ça, c'est tout Thérèse là-dedans. Mm. Et sa dernière parole dans cette souffrance terrible, physiquement aussi, mais même psychologiquement, moralement, elle dit, mon Dieu, je vous aime. Et en réalité, elle va être comme transfigurée. On a une photo. D'ailleurs, je ne sais pas si on la voit à l'arrière, mais en tout cas, de mon bureau. En tout cas, les auditeurs de ZTO ne la verront pas, puisque c'est sur ZTO. Non, c'est vrai. Au Canada, ils auront la chance de voir l'image, parce que c'est ça sur YouTube. Mais on invitera nos auditeurs de ZTO à aller regarder votre chaîne. Oh, oui, mais de toute façon, vous savez, ma chaîne YouTube, là, c'est pour ça, dans le fond, elle a été créée, parce que je n'ai pas pu donner les retraites, que je donne beaucoup de retraites aux prêtres, tout ça, avec la pandémie, ça a été annulé. Mais j'ai créé une chaîne YouTube, et tout est là-dessus. Et là, à ce moment-là, c'est mondial. On pourra l'avoir partout quand ça sera fait. Mais c'est sûr que c'est un podcast pour la radio. Mais il reste quand même qu'on peut... On l'a déjà vu, cette image-là. Les gens le savent très bien, cette image de Thérèse qui est morte et qui rayonne, qui est lumineuse. Elle est dans la vision béatifique. Alors, c'est tout est grâce, là. Alors, Jacques, si je peux me permettre, parce que tout est grâce, je voulais un petit peu vous interpeller sur cette phrase « tout est grâce ». Je comprends comment Thérèse le dit, elle n'est pas la première mystique et sainte qui le dit. Mais quand on est face à des violences, mm-hmm. aux viols, aux agressions, aux injustices, est-ce qu'on peut dire « tout est grâce » ? Oh, c'est terrible, parce que ça dépend de ce que la personne va faire avec l'agression, va faire et démolir. On connaît plein de gens, moi j'en connais personnellement, qui ont vécu dans la drogue. Moi-même, plus jeune, vous savez, j'ai toute une vie, on n'en a pas parlé, mais il y a un témoignage à donner là-dedans, là, parce que j'avais les cheveux longs, tout ça, puis j'avais un bicycle, et puis c'est le 2 juin 72, dans une communauté de jeunes, même là, sur le pouce en Californie, et j'ai vraiment rencontré Jésus. Comme beaucoup de jeunes, dans ces moments-là, des années 70. Hein. Et, vous étiez hippie à l'époque? Oui, voilà, c'est ça. Puis, Californie, ça fait penser tout de suite aux hippies. Oui, c'est ça, voilà. Je suis de cette époque-là, j'ai 68 ans. Bon, mais quand même... Donc, vous avez rencontré Jésus. Tout à l'heure, la question que je posais par rapport à la question ZTO, chercher pour trouver, vous, c'est à ce moment-là que vous avez trouvé Jésus. Oui. Mais c'est sûr que la conversion, elle est permanente. C'est à chaque jour que je le découvre. Mais comme Thérèse elle-même blessée, Thérèse, elle l'a dit, si je n'avais pas eu des parents comme j'ai eu, j'aurais pu devenir un enfant très difficile et j'aurais pu finir comme les prostituées, avec un tempérament de feu. On a vu Charles de Foucault comment sa vie était dissipée plus jeune. Alors, quand le Seigneur attrape quelqu'un, OK, mais à un moment donné, il faut s'ouvrir. Donc, tout est grâce, oui. Même si on était, peut-être, on a des séquelles de la drogue, même si on a eu des séquelles d'un viol, on peut pas dire ça comme ça publiquement parce que c'est chacun dans sa foi. Mais quand la personne découvre Jésus, elle se rend bien compte que la blessure qu'elle a eue, cette vie un petit peu de débauche ou très dissipée qu'elle a eue, eh bien, c'était une grâce dans le sens que ça lui a donné une inquiétude. Ça lui a donné comme une angoisse. Ça lui a donné comme Charles de Foucault, « Mais mon Dieu, si vous existez, faites-vous connaître. » Mais pour les personnes, Jacques, qui sont victimes directement, comme oui. celles qui sont abusées et violées, c'est encore plus difficile d'arriver à cette phrase. Bien sûr. Grâce. Comment Jésus sur la croix pourrait dire aussi « Tout est grâce ». Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, il l'a vécu la nuit, Jésus, à Gethsémani, tout ça.
Mais non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Le Fils de Dieu a été agressé, bafoué, comme nul autre. Il a porté toutes nos soifs, toutes nos blessures. Avec lui, tout est grâce. Mais sans lui, c'est un scandale. Il n'y en a pas de désespoir dans le christianisme. Il n'y en a pas de cause perdue. Il n'y a pas personne qui n'est pas irrécupérable. Le christianisme, c'est un visage, c'est le vivant, le ressuscité qui, justement, nous sanctifie, nous gracie. Tout est grâce dans le sens que tout est gratuit, tout est donné. Mais la grâce, c'est qui? Mais c'est Jésus. Bon, l'Esprit-Saint et le Père, de toute façon, sont trois, sont tous ensemble, puis un seul Dieu en trois personnes. Mais quand on entre dans cette dynamique trinitaire, et surtout, surtout, quand on découvre l'Eucharistie, la source et le sommet de l'Église, la source et le sommet, eh bien, au cœur de la blessure, de l'agression, devant l'hostie consacrée, devant le Saint-Sacrement exposé, tu peux même en arriver à dire « tout est grâce ». Mais il reste que ça demeure quand même épouvantable, une aberration, ça n'enlève pas. Puis il faut éviter tout ça, bien sûr. Mais la vie est dure. Et voilà. Et c'est ça, les moines de Tibérine qui sont morts martyrs, ils auraient pu s'en aller, eux, ils étaient en Algérie. Ils ont accepté en communauté de continuer en sachant bien qu'ils finiraient martyrs. Mais ils n'ont pas couru après ça. Mais tout est grâce. Avec Jésus. Jacques, vous rendez Thérèse très attractive. Mm-hmm. Elle l'est de toute façon. Et dans cette fin de premier chapitre, vous donnez les 8 raisons qui expliquent en grande partie l'attractivité de Thérèse. Donc j'aimerais bien vous faire réagir par rapport rapidement à ces 8 raisons. Enfin, il y en a une dont vous avez déjà beaucoup parlé, de la miséricorde. Mais la première que vous citez, c'est l'authenticité. Ah oui, d'ailleurs, comme les autres saints, même Saint-Augustin, François d'Assise, quand on lit leurs écrits, on sent que ça sonne juste. C'est vrai, ils parlent au jeu, c'est authentique. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a un écho. On ne veut pas des fake news. Hein? L'authentique. Avec Thérèse, on est au cœur de l'authenticité. L'enfance. À l'enfance, c'est le trait marquant de ce qu'elle est, de sa vie, cette fraîcheur d'âme. Par contre, Thérèse ne parlera jamais de voix d'enfance spirituelle. Elle parle d'une petite voix toute droite, une petite voix qui fait que je me laisse porter par Jésus. La petite voix, c'est l'ascenseur. Hein? L'ascenseur, c'est les bras de l'amour, c'est les bras de Jésus qui nous portent, qui nous montent vers lui. Mais il faut être enfant pour se laisser porter. Alors, c'est sûr que l'enfance, c'est notre vrai pays. On ne vient pas vraiment de Saint-Malo ou du Québec. Quel est notre vrai pays? Mais c'est l'enfance. C'est beau. La simplicité. Ah ben oui. On voit bien, hein, peut-être, les gens qui m'écoutent, qui me regardent, souvent on me dit ça, Jean, tu es tellement simple. Ben oui, mais c'est parce que avec le Seigneur, il n'y a rien de compliqué. Plus on vieillit, plus tout se simplifie. Dieu est simple. C'est nous qui compliquons tout. Et Thérèse, alors, c'est bien sûr d'une simplicité désarmante, mais en même temps super intelligente. Hein? C'est pas mièvre, là. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent, où on, encore là, fait partie de sa carte de visite, de son authenticité, la simplicité, bien sûr. Et après, Jacques, vous citez la confiance. Ah ben oui, mais c'est sa petite voix. Elle écrit, hein, c'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Ça, on devrait mettre ça sur nos frigos, dans nos chambres, dans toutes les vies de couple. C'est le ciment, la base, c'est la foi. C'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Alors, il me semble que ça dit tout de Thérèse. Et alors après, c'est l'espérance. L'espérance, bien sûr, parce qu'elle dit... espérer à la miséricorde divine. Hein? Pour elle, elle prend conscience. J'ai écrit quand même un livre, il y a 10 attitudes de Thérèse, publié aux éditions du CERF, ça fait plusieurs années, chez Novalis, 10 attitudes. Puis la première attitude, c'est désirer, aimer Jésus, hein, qui sont les trois mots qui reviennent le plus souvent dans ses écrits. Désirer, c'est une forme de désir, Thérèse, aimer Jésus. Après ça, c'est supporter avec douceur ses imperfections. C'est SES, les nôtres.
Et après ça, c'est espérer en la miséricorde divine. L'espérance, parce que nous, en prenant conscience de notre misère, du monde dans lequel on vit, c'est drôlement désespérant. Il y a comme un scepticisme qui... il y a un nihilisme aussi qui, tranquillement, en nous. Et on oublie, en fin de compte, cette vertu de l'espérance. Et Thérèse, elle espère en quoi? Elle espère en qui? C'est en la miséricorde. Et c'est comme ça qu'elle peut accueillir ses faiblesses. Et elle se réjouit de ses limites. Elle le dit tel quel. Elle a dit, je cherche en moi des fautes, des limites, parce que c'est ce qui me donne de la joie, puisque la miséricorde, à ce moment-là, m'inonde. Quand on a compris ça, on a tout compris, hein, surtout le sacrement de réconciliation, le sacrement du pardon, la miséricorde, il faudrait y aller en dansant. Celui qui vient après, je l'aime bien, il est très propre à Thérèse, comme tous d'ailleurs. C'est l'abandon qui est le pendant chrétien du lâcher-prise, comme vous dites dans votre livre. Oui, c'est vrai. Oui, parce que lâcher-prise, dans le fond, c'est un mot, oui, c'est un ça peut aider psychologiquement, mais il y a comme un effort. Mais on lâche-prise, pourquoi? Alors qu'on s'abandonne à quelqu'un. Et l'abandon, bien, écoutez, Thérèse, elle l'a dit, c'est le fruit délicieux de l'amour. Elle écrit ça dans un de ses poèmes, l'abandon. Elle est au cœur de sa petite voix, elle prend l'image, hein, de s'abandonner comme un enfant s'endort dans les bras de son père. Tout est axé là-dessus. C'est très, très laïque, sa spiritualité. Hein? C'est très familial, très conjugal. C'est pour ça qu'elle est accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, elle l'avait dit. Hein? Elle avait dit, vous verrez, quand je mourrai, tout le monde m'aimera. Après, tout le monde m'aimera. Il faut quand même être audacieux pour dire ça. Et c'est vrai. On n'est pas obligé d'être fan de Thérèse, mais en réalité, Thérèse, tout le monde l'aime. Puis vous l'avez vu peut-être aussi à France 3, le beau secret d'histoire. Bien sûr, de Stéphane Bern. C'est génial ce qu'ils ont C'était fait. C'était l'évangélisation très grand public, là. Ah oui, et là, oui. Il y a eu énormément de réactions aussi. Et oui. Mon livre sort dans cette mouvance-là, mais c'est que là, on a découvert Thérèse qui ne la connaissait pas. Et qu'on a dit, waouh, puis même le président Mitterrand qui va prier auprès de ses reliques, puis elle a montré. Tu sais, le document fait le tour en 2 heures, puis Stéphane Bern, on voit qu'il est pris par Thérèse, ça se sent, ça. Et les sœurs du Carmel qui ont ouvert. Alors, moi, j'ai trouvé ça génial, je l'ai vu sur YouTube, hein, parce que c'est pas encore passé à TV5 au Canada, ça va être un peu plus tard. Mais quand même, ça, c'est cher, une émission comme ça, c'est fait professionnel. On n'aura pas, nous, on n'a pas les moyens pour ça. Mais c'est un beau cadeau qu'ils nous ont fait comme ça. Alors, moi, et dans ce document-là, on voit comment, justement, l'abandon, mais le dernier point, vous avez dit, je pense, c'est l'abandon, là, c'est ça. Mais comment on le met là-dessus, on le voit dans ce document-là de Thérèse. Il y avait deux autres raisons qui expliquent l'attractivité de Thérèse, mais on en a beaucoup parlé, mais vous voulez peut-être encore rajouter quelque chose, c'était la miséricorde de Jésus. On en a beaucoup parlé. C'est ça. La miséricorde, on en a parlé beaucoup. Hein. C'est le mot le dit. C'est le cœur de Dieu qui prend notre misère. Hein. C'est le nom de Dieu. Et on a un pape qui en parle constamment, comme d'ailleurs oui. Jean-Paul II avait aussi. Benoît XVI, le pape émérite. Mais le dernier, c'était Jésus, bien sûr, parce que ça résume tout. Alors Jésus, ben, c'est ça. C'est le nom qui sauve. C'est le nom dessus de tout nom. Et encore là, je pense ici, parce que j'ai écrit aussi sur c'est Saint Bernard de Clairvaux. Là. J'ai écrit sa biographie dans une collection qui avait paru au Figaro, c'est les grandes figures chrétiennes. J'ai fait Saint Jean de la Croix puis Saint Bernard de Clairvaux là-dedans. Et Bernard de Clairvaux parle du nom de Jésus d'une manière incroyable, de toute beauté, où il montre que c'est un aliment, c'est un remède, c'est plus doux que le miel. Et Thérèse va reprendre ça parce que Saint Bernard, au 12e siècle, va féconder tous ceux qui viennent après. L'imitation de Jésus-Christ, le livre le plus vendu à peu près dans l'imprimerie avec la Bible, l'imitation de Jésus-Christ, Thérèse la connaissait par cœur, quasiment, comme Charles de Foucault aussi qui l'a lu. Et le titre dit tout. Le titre dit tout. Notre vie, c'est quoi? C'est l'imitation de Jésus. Alors Jésus, c'est sûr que c'est le centre. Sinon, on ne serait pas là, on ne ferait pas une émission en ce moment. Thérèse n'existerait même pas. On n'en parlerait pas. La prière, c'est pas important en soi. Qu'est-ce qui est important? C'est Jésus. Moi, tous les matins, depuis 20 ans, je fais 3/4 d'heure d'oraison. Tout le temps. C'est central, c'est le fondement de ma vie. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'aime tant ça, l'oraison? Ben non, c'est parce que j'aime Jésus. Tout est là. C'est vraiment, tout est grâce. C'est Jésus. J'avais une autre question, mais je sais pas, je vais vous la poser quand même.
ZTO aime bien les femmes. On a fait un très beau podcast récemment avec Claire de Saint-Lager sur les femmes. Oui. Thérèse était très féminine, elle aimait les jolies choses. Qu'est-ce qu'elle apprend? Est-ce qu'elle apprend quelque chose sur la féminité? Je sais pas, là, moi je suis masculin. Moi je sais que les hommes aiment beaucoup Thérèse, en tout cas. On se rend compte que souvent les spécialistes de Thérèse sont des hommes. Bon. Mais Thérèse, je pense pas que ça soit. Bon, elle était vraiment, oui, dans son corps de femme. À l'époque, coquette, je ne sais pas, plus qu'une autre. Ça, c'est un point vraiment que là, c'est une question que je ne peux pas vraiment répondre. Probablement que le fait que je sois homme, on dirait que ça dépasse. Ça dépasse les frontières, ça dépasse les sexes, ça dépasse les genres. Quand tu as Jésus, tu as tout. Alors, tu es masculin, tu es féminin, tu es équilibré, tu es amour, tu aimes les gens, tu deviens frère et sœur universelle, comme notre Thérèse et notre Charles de Foucault aussi. Tu deviens tout, en fin de compte, comme Jésus l'est. Mais on est quand même bien intégré dans notre sexualité, puis on est des êtres sexués, bien sûr, et on est constamment en relation. Et c'est ça ce qui fait que on est dans la sexualité, le point est plus important. Et Thérèse, on le voit bien comme elle est très bien sexuée aussi, parce que la sexualité, c'est un langage. Et c'est justement dans ce langage-là que nous entrons en relation avec les autres. Ce qui fait que tout est sexualité. Je ne parle pas de génitalité ici. Là. Alors, il faut faire la différence. Ça aussi, j'ai écrit là-dessus, l'issue du jeune couple. Et surtout le livre, moi, qui m'a fait beaucoup connaître en France, là, mais c'est La crise de la quarantaine. Alors ça a été vendu beaucoup, beaucoup. C'est encore réédité, mais j'ai dépassé ça. Mais j'ai beaucoup parlé aussi des défis de la soixantaine. Puis souvent, j'ai des textes là-dessus qui pour intégrer quand même notre affectivité et tout ça. Mais avec Thérèse, avec ces témoins-là, on est dans un ordre mystique, ça ne veut pas dire que c'est éthéré, pas du tout, on est au cœur du réel, mais avec cette part d'infini qui nous habite et cette part d'enfant de Dieu en nous qui aspire à la prière, qui a soif de Dieu, cet enfant en nous, des fois qu'on n'écoute pas. Alors quand je lis ces témoins-là, eh bien je les entends moi, puis j'entends mon enfant en moi et on dirait qu'à force de boire à cette source-là, on devient soi-même une source d'eau vive. Alors Jacques, on arrive un petit peu au terme, malheureusement, de cette rencontre, de ce podcast. J'aimerais vous demander un conseil, et un conseil pour tous les auditeurs, un conseil pour moi aussi. En quoi Thérèse, elle peut nous aider dans notre quotidien tout de suite pour atteindre cette simplicité et cette relation si, si forte avec Dieu? C'est de vivre intensément le moment présent. Mais ça, c'est pas facile à vivre. C'est que Thérèse va vous dire beaucoup rien que pour aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un instant, ma vie n'est un seul jour qui s'envole et qui fuit, mais tu laissais au Jésus pour t'aimer, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Alors, que m'importe demain, bon, parce qu'on se décourage, alors bon, et elle développe tout dans ce poème-là. Moi, je pense que le conseil qu'on a à vivre, et tous les mystiques, on en parle, il en parle beaucoup, et c'est pas évident, mais mon Dieu, si on peut arriver à cette grâce-là, c'est d'être présent totalement dans l'instant que nous vivons. Comme là, nous faisons l'émission, moi, je suis totalement présent, après ça, ça va être autre chose. Les gens qui écoutent l'émission, d'être totalement présents dans ce qu'ils écoutent, vivent le moment présent comme un sacrement de la présence de Dieu. Wow, j'ai dit quelque chose de bien, là. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, Jacques, quand on veut vivre l'instant présent, mais qu'on ressent des contradictions en soi? C'est pas grave, ça. C'est qu'on on accepte ces contradictions-là. On dit, Seigneur, aide-moi donc. Tu sais, ça donne rien de... Il y a des psychologues qui peuvent nous aider, tout ça, parce que des fois, on peut avoir des grandes blessures qui nous empêchent de vivre, des contradictions inouïes dans notre vie. Mais la prière, ça existe pourquoi? Prier, c'est pas seulement vivre le silence, c'est parler à Dieu. Comme un ami, bien, on lui parle partout. On lui parle pas seulement à l'église et dans notre coin de prière. Moi, le Seigneur, je le sors partout, je l'amène partout où je vais. Il y a un feu rouge, par exemple, dans mon auto, quand j'attends, je fais une prière, j'ai développé ça. Et le moment présent se vit, et je demande, Seigneur, aide-moi, mais aide mon enfant, tu connais, bon, tel, un tel. Bon, moi, souvent, j'envoie mes anges gardiens. Mon ange gardien, je dis, en tout cas, pour mes enfants, il dit, l'ange gardien de mon enfant, occupe-toi-en donc. Moi, j'ai fait mon possible, c'est à toi, c'est ton travail aussi.
moi, je me dis, on manque de simplicité dans notre relation avec Dieu, puis avec ce monde invisible que sont les anges, les, je les ai ici, les deux petits, parce que c'est faut quand même, parce qu'ils sont sortis, eux autres. Mais alors, justement, là, vous êtes en train de montrer à la caméra les deux livres sur les, alors, devenir saint et en présence des anges. Les anges, vous les aimez beaucoup. Rien que cette année, vous publiez deux livres sur les anges. On y croit pas beaucoup. On a du mal à croire aux anges. Oui, je le sais, mais ça, c'est pas de ma faute. Je sais pas pourquoi. Alors, on a peut-être plus le temps de parler des anges, mais si vous le voulez bien, Jacques, on en reparlera une autre fois dans un podcast. Oui, on en reparlera. Le générique de ZTO, c'est Les Anges d'Amérique. C'est une musique américaine qui est inspirée d'une série, Les Anges d'Amérique. Je serais vraiment très, très heureux de vous revoir et de refaire une rencontre avec vous bientôt, Jacques. Oui. On pourrait chanter à ce moment-là Les Anges dans nos campagnes. Et alors, j'aurais plus de mal à chanter. J'étais chez le dentiste ce matin. Mais en tout cas, ça va. Jacques, de toute façon, on pourrait faire une autre émission sur les anges. Pour moi, il n'y a aucun problème. Il s'agit de... On a un programme, Charles de Foucault, et des anges, on va le faire. Je tiens à vous remercier infiniment, Jacques, pour votre gaieté, pour cette profondeur et toutes ces images, cette relation qu'on a eue avec Thérèse grâce à vous aujourd'hui. Je remercie les auditeurs de ZTO pour leur fidélité. Je salue vos amis sur YouTube qui vont nous regarder au Canada. Je remercie Xavier qui est derrière aux manettes, comme d'habitude. Et donc, je vous dis à bientôt, Jacques. Oui, puis bravo pour votre ministère à ZTO. Beau ministère d'évangélisation. Merci. Merci, Jacques. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.